Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire de Champs Libres aujourd'hui, une escapade en Creuse, Haute-Vienne et Charente. Sur le plateau des Mille Vaches, on lutte contre la solitude et le froid hivernal en associant palabres, bonne chère et culture. Ça s'appelle les bistrots d'hiver et c'est notre premier focus. Tout près de là, la photographe Valentine Vermeil a saisi les gestes de ceux dont le travail est particulièrement physique, à découvrir dans notre rubrique Vue. Rendez-vous au bout du monde dans le village de Rancon avec Akata, le grand spécialiste du manga japonais. Dans le minuscule village de Moutier-Dahin, quelques convaincus ont imaginé la Métive, un lieu de résidence d'artistes qui vient de souffler ses 15 bougies. Le beau roman d'Anne Persin, Sous la vague, se déroule pour partie en Charente, entre Cognac et Chevreuil, c'est notre rubrique lue. Sentir vibrer l'âme d'une des plus grandes comédiennes du théâtre français, découvrir la vitalité de jeunes artistes, la Maison Maria Cazares, c'est tout cela, et c'est notre très riche grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Sur le plateau des Mille Vaches, on lutte contre la solitude et le froid hivernal en associant avec bonheur, bonne chère et culture. L'initiative s'appelle les bistrots d'hiver. En ce dimanche ensoleillé de janvier, rendez-vous dans la Creuse, entre vaches et musique irlandaise. Là, on est sur le site de la ferme bio de Pigerol et là, on est au milieu des vaches, là, dans la stabulation des vaches. En plein cœur du plateau Mille Vaches, à 900 mètres d'altitude. Toute la production est en agriculture biologique et une ferme auberge qui est sur le site de la ferme avec un magasin de producteurs. Sur la ferme auberge, en fait, on a un concept un peu particulier. Déjà, c'est des algéco qui sont posés sur la butte, sur le site de la ferme. Et puis, les week-ends, on a des événements un peu exceptionnels. En règle générale, on est fermé, mais on ouvre comme pour les bistrots d'hiver, où c'est un concept très sympa qui tourne sur le plateau de Mille Vaches pendant l'hiver sur 3 mois. Alors les bistrots d'hiver, c'est un festival itinérant depuis 19 ans. On se déplace chaque dimanche de la saison hivernale, du 7 janvier au 25 mars, dans une auberge différente. Du plateau de Mille Vaches historiquement, mais on va également aussi dans le nord de la Creuse, dans l'Indre. Voilà, on a 18 dates, 18 lieux, 18 artistes. La création de ce festival, c'est suite à la tempête de 1999 à Flaya, donc le siège de l'association Paysages. Quelques habitants se sont retrouvés coupés des routes, privés d'électricité. Donc besoin aussi de se retrouver dans la salle des fêtes, chacun apporter un petit peu à manger, sa guitare, ça s'est transformé en veillée avec des contes. Et c'est à partir de là que le président Alain Foriot de l'association s'est dit mais les gens ont besoin de se retrouver et pourquoi on ne ferait pas ça, de créer du lien social et aussi d'apporter un petit peu d'une touche artistique, culturelle dans ces auberges un peu reculées du plateau de Mille Vaches. C'est un point de repère dans la période hivernale. Il y a vraiment une demande. Et puis il y a le côté aussi militantisme. Quoi. Sur le plateau de Mille Vaches, ici on est 5 habitants au kilomètre carré. Enfin, l'hyper-ruralité, on est vraiment le symbole. Quoi. C'est toujours très très bien de pouvoir faire déplacer des groupes de qualité. Le groupe vient de la région lyonnaise et on fait de la musique traditionnelle irlandaise telle qu'elle peut s'entendre dans les pubs en Irlande en fait, avec de la musique instrumentale, des reels, des jigs, des polkas et aussi des chansons. Voilà, donc on essaye de recréer cette atmosphère pendant nos concerts comme on peut la trouver en Irlande. L'Irlande est un pays rural aussi et il fonctionne un peu comme ici. Il y a souvent des pubs qui sont très grands dans lesquels il y a des repas, les gens viennent en famille et puis la musique est toujours présente. Donc finalement on retrouve un peu cette ambiance qu'il y a ici de gens qui viennent pour sortir, manger, boire un verre et venir écouter de la musique. Nous, on fait de la musique qui est d'un autre pays. Donc c'est aussi une manière de montrer aux gens autre chose et c'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux gens de la ville. Je pense que les gens sont intéressés par ça un peu partout, que ce soit aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des concerts dans des zones comme ça qui ont peut-être moins d'accès de manière facile à la culture. You in my arms. Ooh, 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 ooh.
Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Grande voyageuse, la photographe Valentine Vermeil a un jour posé ses valises à A1, dans un petit coin de Creuse. Pas pour longtemps, juste quelques semaines, à la faveur d'une résidence d'artiste. Là, comme elle l'a fait pour d'autres séries en Israël, au Vietnam, en Asie, la jeune femme s'est intéressée aux gens. Aux gens, mais surtout à leurs gestes et à leur corps. Frappée par la prégnance de la vie pastorale et agricole en Creuse, la photographe multiprimée s'est intéressée au métier qu'elle qualifie volontiers de physique. Elle a fixé les postures de celles et ceux qui au quotidien mobilisent leur corps, dedans comme dehors, le plus souvent au cœur de paysages rudes et isolés. Ici, les gestes pleins de douceur et peut-être de résignation d'une jeune serveuse. Là, le boucher surpris dans un corps à corps avec un quartier de bœuf. Ici, un scieur de bois presque dansant avec son immense lame. Là encore, un maréchal ferrant, prisonnier des brumes. Arcanda, le nom de cette série, vient du verbe arcander, signifiant faire un travail de manœuvre pénible et peu gratifiant. En les immortalisant, et c'est tout le paradoxe, Valentine Vermeil confère une émouvante noblesse à ses corps dans l'effort, des corps définitivement vivants. Entre best-seller et ouvrage plus engagé, rendez-vous du bout du monde avec les mangas des éditions Akata. Il y avait vraiment la volonté de sortir du rythme de la ville parce que c'est un petit microcosme quand même, le milieu de la bande dessinée, et puis c'est fatigant, on est toujours dans le rythme de fou. Et puis on a un éditorial aussi qui a toujours été très orienté vers les valeurs humaines et l'écologie aussi. En fait, on a fait beaucoup de mangas d'écologie hein, dans notre catalogue, donc ça avait du sens d'être à la campagne. Bah là, on est dans notre 5e année d'éditeur indépendant qui vient de commencer, et on a fait en l'espace de 4 ans près de 200 ouvrages. Là, on va atteindre notre rythme de croisière entre 3 et 5 livres par mois. Et donc, on publie des bandes dessinées japonaises qu'on appelle les mangas, principalement, quasiment intégralement, en traduisant des auteurs japonais qui sont déjà publiés au Japon. Et donc, on s'occupe de faire la sélection des livres, de les faire traduire, de vérifier tout ça et de faire la publicité, etc. Alors, on n'a aucun intérêt, en fait, à être à Paris. Parce que les imprimeurs sont pas là, les Japonais de fait ils sont au Japon, ça nous demande une logistique voilà, d'organisation un peu différente. La seule chose qui peut être parfois un peu difficile, c'est que il y a beaucoup de journalistes qui sont à Paris, et puis aussi nos équipes de commerciaux, tout ça, donc on monte à Paris à peu près une fois par mois, mais à part ça, on est tout aussi bien à travailler à la campagne, on peut aller au bureau à pied, rentrer chez soi à midi et promener le chien. Moutier d'Ahun, quelques convaincus ont imaginé la Métive, un lieu de résidence d'artistes. C'était il y a 15 ans, et si le site s'est transformé au fil du temps, il n'en a pas moins gardé son souffle originel. On s'est installé notre activité il y a cela 15 ans, qu'on a commencé en itinérance, en organisant des sessions de résidence d'un mois avec 6 ou 7 équipes d'artistes invités. Et nous étions toujours à la recherche d'un lieu où nous implanter. Et un jour, par hasard, nous sommes arrivés dans ce village qui est absolument magnifique. L'accueil de la population a été fantastique. Et il y avait une vraie volonté en plus, une appétence pour la création artistique, une envie de faire de ce lieu un lieu culturel. La Métive, c'est d'abord un lieu de résidence d'artistes, de création pluridisciplinaire, du spectacle vivant en passant par le cinéma, la littérature ou bien les arts plastiques et la photo. Et on accueille tout au long de l'année des artistes qui viennent d'un peu partout par le monde travailler, expérimenter, rechercher quelque chose autour d'un projet, d'une création artistique qui le plus souvent est à l'état d'écriture. C'est un territoire assez négligé, on va dire, qu'on ne connaît pas assez bien, mais qui est plein de ressources. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans le choix des projets que nous accueillons, c'est que la première chose qu'on regarde, c'est quel écho ça va trouver sur ce territoire-là. Ce week-end, la Métive organise la Festive, 3 jours de fête pour se souvenir, mais surtout pour continuer. Vous vous en
rappellerez de ce travail? Dans le cadre de la festive, on réaccueille une plasticienne qui s'appelle Delphine Sievaldini, qui est une des artistes défendues par la Métive. Et elle présente une installation spécialement pour l'anniversaire qui s'appelle Blitz et qui se tient à la Bergerie et où le cadre est vraiment adapté à son travail d'installation. Autour de nous, on voit 38 personnages qui sont faits de laine et suspendus par des fils de laine et ils flottent dans une sorte de constellation familiale. Mon idée, c'était de permettre aux spectateurs de voyager dans l'infinie possibilité des souvenirs, des liens qui se tissent entre les gens, d'essayer de figurer les merveilles comme les cataclysmes. En fait, on se rend compte qu'ici, c'est une mine d'or pour les créateurs. Il y a plein d'endroits totalement négligés, il y a des espaces libres aussi, c'est-à-dire qu'on peut essayer des choses qu'on ne peut pas essayer ailleurs parce qu'on a peur de se casser la gueule. Ici, on peut tout essayer. Et pour les créateurs, c'est un terrain de jeu formidable. Les photographes qui viennent en résidence ici, leur travail va s'intéresser à la question du paysage, la nature, le lien de l'homme à la nature, le lien de l'homme à son territoire. Et la deuxième chose importante, c'est que ce sont des gens qui questionnent leur outil. C'est-à-dire que s'ils utilisent la photographie, c'est aussi pour réfléchir à ce qu'est la photographie et quelle place elle a aussi dans les usages de la société aujourd'hui. Depuis 10 ans, donc, il y a un peu plus de 20 photographes qui sont venus en résidence ici. Et donc voilà, je les ai sollicités pour leur proposer de présenter une image pour fêter les 10 ans de la présence de la Métive et l'inauguration des nouveaux bâtiments. L'aspect international, c'est par la diffusion et le rayonnement. Il y a des choses qui sont venues ici et qui ont voyagé dans le monde entier. Il ne faut pas négliger non plus la soif des gens d'ici à avoir le monde extérieur qui vienne. Parce qu'il y a cette part-là auquel on doit répondre, on se doit de répondre. Les territoires, on va dire, isolés, ne le sont isolés que parce qu'ils sont des fois oubliés ou négligés. On est dans un territoire où l'agriculture est très présente. Et là où il y a l'agriculture, comme nous dit le maire du village, il faut aussi mettre en avant la culture. L'animal tremblait sur ses pattes. Il paraissait frêle. Ses flancs creux et clairs se soulevaient au rythme d'une respiration chaotique. Vers l'arrière-train, l'oscilliaque était visible sous le poil dru et roux. Bertrand sortit de l'ombre des arbres et le petit chevreuil aussitôt tourna la tête vers lui, le fixa. Il eut un tressaillement puis resta là, pétrifié. J'ai choisi ce livre parce qu'il se passe à Cognac, donc non loin de Ruffec, où la librairie est implantée. Anne Persin, à la base, c'est une auteure jeunesse qui est très connue pour sa série sur comment bien rater ses vacances. Donc en fait, on a une écriture qui est très simple. C'est l'histoire d'un homme qui a une grosse maison de Cognac, maison familiale, et qui est dans une mauvaise situation. Puisqu'il est en train de se faire déloger par les actionnaires de sa boîte, de sa propre entreprise. Il va avoir un accident, donc il va percuter le chevreuil. Et au lieu de le laisser sur le bord de la route ou d'appeler la société de chasse, il va le ramasser et va le ramener chez lui et va le garder, le nourrir et essayer de le guérir. Et en fait, cet homme, par le biais de ce chevreuil, va revenir à la source, à la nature. Et c'est vrai qu'on entend, et quand on a la description de ces paysages et du Cognac, on entend la terre, on sent le raisin et on a vraiment et on voit les couleurs et c'est vraiment très beau. Si dans le cimetière d'Alou, on peut voir la tombe de Maria Cazares, c'est parce qu'ici, elle a sa maison. Une maison des illustres, devenue lieu de résidence pour le théâtre. Jeunes comédiens et metteurs en scène s'y succèdent. Une belle histoire qui débute pourtant avec la guerre d'Espagne.
Maria Cazares, c'est une grande comédienne française qui est plutôt connue pour ses rôles de tragédienne d'ailleurs, et qui en fait est une jeune femme qui a dû fuir l'Espagne quand elle était enfant. C'était la fille du premier ministre espagnol au moment où Franco a pris le pouvoir, et avec sa famille elle s'est réfugiée en France. Elle a grandi et appris le français, elle est rentrée au conservatoire et elle a rencontré et travaillé avec la plupart des grands metteurs en scène qui ont fait l'histoire de la décentralisation, Jean Villard, Jean-Louis Barrault, et elle a créé beaucoup de textes, notamment d'auteurs contemporains, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean Genet et Bernard-Marie Coltès. Maria Cazares a acheté cette maison en 1961. Et à sa mort en 1996, elle n'avait pas d'héritier. Et donc elle a décidé de léguer son domaine et tout ce qu'il y avait à l'intérieur à la commune d'Alou pour remercier la France d'avoir été une terre d'accueil quand elle et sa famille ont fui la dictature de Franco quand elle avait 14 ans. Entrez, entrez, bienvenue. Voilà, venez, entrez. Nous allons monter l'escalier et l'installer dans le salon. La maison de Maria Cazares, c'est un puissant antidote au chagrin, à la douleur d'aimer, à la perte irrémédiable. Vous avez entendu, hein? Oui, parfois dans la maison, on entend des bruits bizarres. On déambule et on découvre plutôt un patrimoine immatériel et une figure qui hante les lieux et qui converse avec des fantômes qui peut-être sont là. Et c'est plutôt sur ce rapport aussi au surnaturel qu'on a essayé de développer une forme de présence, comme si Jean-Paul Sartre habitait vraiment dans cette remise, Jean Genet dans la tour, Paul Claudel au bord de la Charente et Bernard-Marie Coltès dans le théâtre. Comme vous savez, le cœur de Maria a été pris. Et Sartre le savait lui aussi, ce qui le rendait encore plus jaloux. Oui, Maria joua le diable et le bon Dieu en pensant à l'auteur du malentendu. La façon dont c'est raconté, dont c'est conté, sans doute imaginé en partie, dans tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Vraiment très bien fait. Voilà. Et donc, eh ben, on a hâte de poursuivre maintenant avec et la pièce qui va suivre sur l'amour conjugal, hein, un grand sujet, un vaste sujet. Et puis un dîner sous les étoiles qu'on nous a promis. Là, ça va, le ciel s'est dégagé, donc tout est parfait. Je ne crois pas que Leda soit très intelligente, mais malgré son intelligence médiocre, elle réussissait à prendre à mes yeux une autorité mystérieuse. Grâce à ses interventions mesurées, à son air expérimenté, un mélange astucieux d'ironie et d'indulgence, aussi son plus petit geste de compréhension ou d'encouragement, m'était-il cher? J'aimais Leda avec passion et lui demandais enfin de devenir ma femme. Certain de sa réponse affirmative, elle m'opposa au contraire un refus presque stupéfait. Il me sembla avoir atteint le fond le plus noir de mon ancienne désespérance. Je la quittais en pensant que si je n'étais pas un lâche, le moment était vraiment venu de me tuer. J'ai souhaité proposer ce dîner-spectacle puisque dans l'amour conjugal, on passe notre temps à saliver avec le personnage principal, à le voir manger et boire. Et puis, ce qui nous importe, c'est d'après continuer ce moment de rencontre avec les spectateurs et de manger ensemble ce qui a été préparé justement spécialement pour le spectacle. Une de nos principales activités à la Maison Maria Cazares, c'est d'accompagner et d'accueillir des jeunes compagnies en résidence, qu'on appelle le programme Jeunes Pousses. La difficulté quand on commence, quand on est une jeune compagnie, c'est que très souvent les professionnels nous disent « je ne connais pas votre travail ». Et la première étape à franchir, c'est de présenter le fruit de ce travail et d'avoir des conditions professionnelles pour le faire. Merci.
3 semaines que je erre près de cette porte, comme devant la gueule de l'enfer. Aujourd'hui, je vois qu'on l'a pas fermée à clé. On m'aurait offert 1 million, rien ne m'aurait retenu. C'est une piste de lancement, une très très belle piste de lancement en fait, que nous offrent Mathieu Roy et Jonas Silberstein, qui sont les directeurs de la maison. Enfin, c'est une grande chance. C'est génial parce qu'on est complètement en autarcie totale, on respire, on n'est pas d'angoisse, donc on est vraiment vraiment focus sur le travail, non-stop. On n'a que ça à penser, et puis quand on sort du plateau, paf, c'est la campagne, c'est vraiment agréable. Et en milieu rural, moi je suis pour la décentralisation et je suis pour ouvrir le théâtre partout. Je suis bête, mais vous m'écoutez avec sagesse. Et ainsi, mes paroles grandissent par votre autorité. Pas par l'autorité de celui qui parle, mais par l'autorité de celui qui écoute. C'est bien dit, c'est sage. Ah oui, c'est ça. Moi, je dis des bêtises, mais vous m'écoutez avec sagesse. Et c'est pour ça que je deviens sage. On a de la cervelle. Oh ouais. Trésor. En réalité, je n'ai pas de dignité, hein. Il y a longtemps que je l'ai perdue. Mais mon père m'a appelé à une dignité nouvelle. Et c'est pour ça que je deviens plus sage et plus digne. Et c'est pour ça que je proclame que je veux un mariage sublime. Allez, on est là et en avant. Allez, en avant. Nous commençons la cérémonie sacrée du mariage. Au nom du Père et du Fils et... En fait, Mathieu et Johanna, ils nous ont fait confiance. C'est incroyable, ils nous ont dit « Allez-y, on a lu ce que vous voulez faire, ça nous plaît, maintenant, vous faites ce que vous voulez. » Ils mettent tous les moyens dans nos mains pour qu'on y arrive et ils nous laissent nous déployer. La maison de Cazares, c'est un endroit où les choses sont posées. Elles sont essentielles. On pense à nous, au groupe, au texte, au travail, et c'est tout. On n'a que ça à penser. Donc, c'est vrai qu'on sent effectivement la cohésion du groupe, alors, le fait qu'ils s'écoutent et que même leur écoute n'est pas artificielle, c'est important. La maison Maria Cazares, ce qui est au cœur du projet, c'est la notion de maison. En fait, donc c'est une maison où on accueille les gens. C'est-à-dire, on vient pas juste voir un spectacle, on vient pas juste répéter un spectacle et on s'en va. On prend le temps de la rencontre. Donc c'est ça qui est essentiel pour nous, c'est que c'est pas que des gens de théâtre qui viennent. Ils viennent rencontrer, un, la mémoire d'une ancienne comédienne qui a donc créé la décentralisation théâtrale, qui a rencontré tellement d'auteurs de théâtre différents, des gens, des habitants du village et les enfants qui viennent faire un stage. Comment tout cet écosystème-là, il vit ensemble, il crée ensemble, il invente une nouvelle société ensemble. Et ça, on peut le faire ici, et on peut le faire en milieu rural. Dans le prochain numéro de Champs Libres, Sylvie Balestra mêle danse contemporaine et anthropologie, un focus tout en mouvement. Tous les jours, Anne Canta Corsini a photographié la nature autour d'elle. Des images oniriques pour notre rubrique Vue. Pour Du bout du monde, rendez-vous avec Mazan, auteur de BD charentais et archéologue des 5 continents. Et si les journalistes quittaient leur rédaction pour rencontrer leurs lecteurs, c'est le pari des ateliers couture, un focus au bord de l'eau. Dans la rubrique Lue, Into the Land ou la drôle de quête miraculeuse de Sébastien Laurier. Attention, déferlement d'artistes dans une bastide lot-et-garonnaise. Un grand format dédié à la belle aventure d'un festival à Villeréal. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.